Et plop les gens. Bah maintenant on va continuer le vide de Patrick Parabox. Vous en faites pas, c'est le nom du niveau. Oh. C'est donc ça un bloc vide. Il n'a pas de mur, du coup on peut rentrer par tous les côtés. Ok. Non. Oh là là, je peux pas sortir pour pousser le bloc du mur. M'avance pas beaucoup. Si. Si lui je le pousse là. Hop, je rentre. Je sors. Lui il est en position et je peux le mettre au bon endroit. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? De quoi? De quoi? Je ne compte pas à la fois pour un bloc et à la fois... oui. J'ai compris. Hop. Hop. Voilà, on peut les inverser. On a deux vides l'un dans l'autre. Toi, tu peux aller là. Et toi, tu vas faire rentrer le bloc dans toi. Voilà, dans le bon sens, ça passe mieux. Et du coup, oui, on peut passer au niveau d'après. Dès qu'on a fait les niveaux normaux, on n'est pas obligé de faire les... les niveaux chelous. Non. Attendez. Voilà. Ah non. L'impression qu'à chaque fois...
Les vides, la logique, c'est surtout de pouvoir voilà, préparer des choses dedans et sortir au bon endroit au bon moment. Et je l'ai mis sur le côté, enfin ça passe bien. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a juste un mur, mais sinon c'est trois voids. Le mur soit tout au fond et vous vous poussez et je me mets là tout simplement à 7 sur 7. J'ai pas fait les niveaux normaux mais j'ai fait les niveaux avancés. Non, c'est pas ça. Ah, faut d'abord pousser le vide, sinon on est vite embêté. Là, il faut un colimaçon. Il va falloir d'en haut. Hop là, dedans, on va avoir besoin de ces deux-là. Là, toi tu es ici, nous on se met là, toi tu te mets là et moi je vais tout en bas. Et plop le signe noir, comment tu vas? Très bien. Au secours, au secours. C'était très simple au début et là on est au troisième monde. Et les ennuis commencent. Par exemple, c'est des blocs qu'on peut pas pousser, enfin, qu'on pousse normalement. Donc là, on va le pousser contre un mur. Sauf qu'ici, on va devoir aller sur la droite. Donc ici, on a besoin du vert qui va sur la droite. On sort du vert avec les autres. Hop. Et là, on va avoir besoin du bleu pour pouvoir mettre... Hop, le jaune en bas du coup. Et après revenir ici. Dans l'idée c'est ça, donc c'est le vert, le bleu, le jaune. Donc... Hop. Le vert, on va mettre... le jaune tout de suite dedans. Hop, le bleu. Donc on peut mettre le jaune là et se caler ici.
C'est vrai que notre connexion n'arrive même pas à jouer fluidement ton live. Oh, désolé. Le jaune dans le bleu, dans le vert, du coup. Oui, c'était bien ça. C'était bien ça. Ah, désolé si le stream est un peu trop élevé pour la connexion. Là, qu'est-ce qui m'empêche? Ça qui m'empêche. Du coup, si je fais ça, lui rentre là-dedans. Hop. Que non. Là, faut que je passe moi-même par-dessous. Sauf que non. Faut que ce soit dans l'autre sens. Et lui, avec lui ici. Sauf que non. Je stream en 60 fps. Ah zut. Bah désolé, hein, je. Merci d'être passé, du coup, je vais effectivement changer ça. J'ai pas le. Twitch n'a pas été gentil avec moi ce soir. Ils m'ont pas donné de slot. Désolé. Faut que je corrige. Ah, je croyais que j'étais en 30 fps pour les streams. Alors, là, je peux rentrer. Ah, c'est sûrement ça. Faut que je change l'ordre. Voilà. Je change l'ordre pendant la manipulation. Là, du coup, je les ai tous faits. Alors, comment on fait ici? On fait comme ça. On peut le repousser. C'est celui-ci comme ça, c'est pratique. Ici, on n'est pas obligé de rentrer. Non. Sort pour pouvoir pousser lui. Lui, il faut quand même qu'il sorte par en bas. J'ai poussé un cran de trop. Hop. Lui. Il sort par en bas. Moi, je ressors par la gauche. Tous au fond, et là je peux pousser lui ici et aller me planquer par là. Ici, y a rien là-dessous. Ah, oh, cycle, succès. Faire un cycle infini indépétrable, c'est ça?
Close the cycle, oui. On dirait bien. J'ai besoin des trois, donc je peux pas me permettre. Pas vraiment me permettre de bloquer le bleu. Ça ne fonctionne pas. En fait, je peux sortir par en bas, mais ça me fait pas arriver en haut. C'est ça la subtilité un peu étrange. Alors que si je fais ça, je peux. Infinity. Ah, le succès que j'avais vu juste à droite. Pose paradoxe. D'accord. Que j'ai fait sortir la boîte d'elle-même, c'est ça? J'ai fait sortir la boîte d'elle-même, du coup il y a un paradoxe. Effectivement. Mais on fait comment du coup? J'ai l'impression que la réponse c'est tout simplement. Mais ce n'est pas le cas. Pour le bas, j'ai réussi. Je fais comment? Oui, pour le bas, j'ai réussi, mais ça m'a obligé. Coller la boîte ici. Commencer s'il me bloque ça comme ça. Lui sort. Et lui fait un cycle. Ça me paraît compliqué. On va en profiter pour lire les astuces de l'entrée. Identifier les choses qui ne marchent pas peut être utile pour réduire vos choix. Si vous bloquez sur un casse-tête, essayez-en un autre et revenez-y plus tard. Cela peut vous donner de nouvelles idées. Les casse-têtes sont censés représenter un défi. Ne vous attendez pas à pouvoir les résoudre rapidement. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose de très intéressant du coup. Hop, on les a déjà fait. Il y a donc un niveau ici qui me résiste. Pas fait gaffe, mais
Ouais, on aura peut-être un moyen d'y revenir. Ou alors, j'essaye de t'y accorder un peu plus de temps vu qu'on arrive vers la fin de l'épisode. Ça ne fonctionne pas non plus. Presque en train de me demander si c'était pas intéressant au final d'avoir l'Infinity. Mais je suis con ou je suis con? Moi, je suis complètement stupide. Tout ça pour ça. Hop, et là je remonte. Complètement stupide le Zikino. Mais nous avons terminé ce niveau. On va pouvoir passer au suivant dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu de réfléchir avec moi. Et je vous dis à bientôt!